Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19. Donc aujourd'hui nous allons tester notre petit liébire qui est là. Donc c'est le liébire qui est tiré de FS17 hein, que j'ai remis en jeu sur le 19. Donc tout le monde le connaît, hein. Je vais vous remontrer dans le shop. Alors je l'ai en version JCB aussi, qui est en cours de finissage. Et là c'est le TL432 donc qui est là. Hop. Tiens, je viens de voir, il manque la référence TL432 sur la porte. Donc, il est en test final avant mise en DL. Donc, ça devrait pas tarder, je pense. Je vais essayer de finir ça cette semaine. Donc, on va se le tester, voir ce que ça dit, tout ce que j'ai rajouté dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, il a l'animation des portes. Hein. On va faire un petit tour déjà vite fait du propriétaire. Donc la porte s'ouvre, la porte se ferme. Ça, pas de souci. Hop. La vitre arrière s'ouvre et se ferme. Avec la petite animation sur la croche en bas de la vitre, comme vous pouvez le voir, qui se plie et se déplie. L'essuie-glace suit le mouvement de la vitre aussi. Parce que les essuie-glaces sont fonctionnels. S'il pleut, ils vont se mettre en route. Devant et derrière, j'ai tout fait, ça marche nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en animation? Je crois que c'est tout. Hein. Après, si, il y a le chauffeur qui est animé, quoi. Bon, le chauffeur, les mains, elles suivent. Le bras avant monte et descend aussi. Tout est animé. L'accélérateur, le frein à gauche. Le chauffeur est sur un siège dynamique, donc le siège suit le mouvement. Vous voyez, le siège il bouge aussi, donc le chauffeur bouge aussi et la caméra intérieure bouge aussi, c'est-à-dire que elle suit le mouvement aussi. Donc vous allez avoir un peu le mal de mer. Compteur, je viens de le finir à l'instant, donc ça a l'air de marcher aussi. La vitesse, c'est bon. Le fuel, il marche aussi. Bah, le gasoil, rétroviseur, c'est tout bon, c'est tout ok. Voilà, caméra, il y a celle de fourche aussi que j'ai rajouté qui était pas, donc ça peut être pratique, je pense. Pour charger. Allez go. Donc on a notre petit camion Volvo que j'ai trouvé, qui est sympa, à charger avant d'aller vendre tout ça. Je sais même pas où on les vend d'ailleurs, j'ai pas regardé. Hop. Hop là. Quand on recule, bon, les feux, ça a tout été refait, hein. C'est tout des feux FS19, avec les textures FS19, ça a été complètement changé. Vous avez le bip-bip de recul, les warnings qui se mettent en route, sécurité avant tout. D'ailleurs, on va se foutre le gyro. Alors, donc on a toutes les possibilités de fonction de roue comme les autres. Hein. Vous avez la marche en crabe, les roues avant directionnelles, les roues arrière directionnelles, ou que les roues avant. Hein. Bon, je vais peut-être pas tout le charger non plus, hein, c'est plus pour essayer. Alors vous voyez, il est vachement dynamique. Je pense que j'ai assez réglé, j'ai fait le réglage au mieux possible. Il faudrait peut-être en vue intérieure un peu freiner. Normalement, il porte 5 balles avant de se le cabrer. Je suis en train de réfléchir que je me fais chier. J'ai l'autoload sur ces courses.
Pourquoi je peux pas prendre les fourchettes au loin de là, tu m'as expliqué? Ah ouais? Ah le con, il m'en a niqué une. Voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Décharger les balles. Ah oui d'accord, c'est Y après. Et là ça fait quoi la caméra? Ah ouais, on est carrément dans la paille. Caméra de fourche, elle sert plus à rien. Putain, quelle beauté. Hop. Je vais foutre par terre. Ah merde, je suis en caméra. J'avais retourné, c'est vrai. Hop. C'est que là. Mec, c'est qui m'a chargé ça? Il marche bien, il se conduit bien, c'est nickel. Putain, j'en ai encore là-haut des fois, je suis sérieux, je mène partout. Ah! Oui, c'est bon. On va se le faire en autoload parce que je vais pas faire une vidéo de 30 plombes non plus. Hein. Le but du jeu, c'est quand même de utiliser un peu le truc. Putain, je vais à 18 km/h juste en marche arrière, sérieux. En fait, je me suis dit, je vais pas me garer contre le mur avec le camion parce qu'il faut chercher des deux côtés, mais en fait, non. Je suis con avec le télescope, y'a pas besoin.
Hop là. Je dois pouvoir serrer un peu plus. On va se tenter la marche en crabe. Voilà. 15 degrés à gauche. Degrés à gauche, c'est fini quoi. Je touche au truc. Hop. Ah! Demi-tour tout. Ouais. J'avais de la nuit, de la musique, je suis pas sûr que ça marche. Ça a un feu. Vraiment qu'on avait un bon stock. Qu'est-ce qu'il fait? L'autoload, il va faire un truc de fou là. On va pas chercher. Oh, ouais. Putain, tu les poses tes trucs. Il fallait y mettre un coup de l'autre côté quand même. Bon, en gros, pour refaire ce mode, bah, ce billet beer, ça s'est pas fait en 5 minutes. Hein. Je pense que je peux compter une cinquantaine d'heures de boulot à traiter la 3D parce que la 3D a été redécoupée forcément. D'origine sur le 17, les portes s'ouvraient pas et tout ça, donc tout a été retravaillé. Un petit peu de retexturage aussi au passage. Les phares, ça a tout été refait parce que ça change tout sur le 19. Ça, c'est pas juste une simple conversion, quoi. Les lumières du tableau de bord aussi, il faut tout refaire parce que ça n'a rien à voir. Oh, je suis bon, je suis. Pas le toucher, je vais le foutre. Je vais le niquer plus que ce que je veux faire, bien. Alors, est-ce que ça va me choper mes balles? Putain, nerveux quand même le couillon. 3, allez. L'hydraulique aussi arrière, bah, l'attache arrière avec la connectique et l'hydraulique, ça fonctionne, hein, ça se connecte tout, les tuyaux et les flexi et le fil électrique comme on a sur les tracteurs, bah, d'origine, hein, ça c'est le. J'ai pas tapé à gauche parce que tout à l'heure c'est comme ça que je me suis fait niquer. Et en fait, voilà, c'est comme ça. C'est ça ce qu'il faut faire. Alors,
Ouais, on peut pas trop regarder de l'autre côté, mais bon. Franchement, avec ce fourche orange, ben orange, je suis con. La fourche jaune, c'est sympa aussi, j'aime bien. Bon, là, on est en mode agricole, mais après, on sera en mode TP, hein. On passera sur l'autre map et on se fera petit chantier. Je prendrai le JCB, je pense, pour le TP. Yébir, ça va être l'agricole. Je pense pas que je. Oh, quoi qu'on peut faire les deux. On a des excavatrices Yébir aussi, donc on peut très bien le faire aussi. On verra selon l'envie. Ça dit quoi là? Ça me dit que c'est peut-être pas mal, hein. Toujours traviole. À chaque fois, je pars en biais. Faut pas me mettre droit, c'est bizarre. Le beau stock que notre ami Raphaël s'était bien amusé à ranger. Ah, faut bien s'en servir, hein. Putain, ça passe, waouh, ça passe juste, hein. Hop. Je pense que. Je sais pas si je peux en mettre encore deux derrière. Bah trois derrière. Parce que je crois que on n'a pas les sangles après. Déjà je vais même pas regarder si la remorque elle avait les sangles. Je sais qu'elle est auto-load. Un toucheton, ch'poum. Ah voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, ça fait quoi si je... Merde. Position de travail. Je m'en fous de position de travail. Attaché. Bah non, choisir la caméra, sélectionner l'équipement. Putain. Ok, ça auto-load. Merde.
Bon, on peut en foutre combien dessus? C'est con, je m'étais fait chier à bien les mettre. Et bah, ça les a mis encore mieux que je les avais mis. Vas-y Maurice, charge le camion. Oh putain. Ah c'est bien. Ah mais c'est carrément en autoload jusque là. En fait, autoload pas plus. Ça autoload de chez autoload donc. Ils sont passés où mes autres balles? Ah oh, c'est con, j'en ai deux qui sont sur le côté. En fait, ouais. On peut pas en mettre tant que ça. Bon alors ça c'est très con, parce que du coup, je me suis fait niquer. Je sais pas si je peux les récupérer celle-là. Bah si, je suis con, je peux. Voilà. Donc là, il m'a pris celle qui me manquait. Tu vas me garer là-bas. Hop. Oh putain. Putain, il commence à faire mieux. Alors notre camion Vovo. Position de transport, donc logiquement c'est tout arrimé. Alors nous allons vendre ça où? Botte de paille. Alors je déteste ces icônes de merde, là on n'y comprend rien du tout. Bon, tu sais même pas où il faut aller vendre de la paille parce que tu comprends rien. C'est quoi la paille? Œuf, laine, 106. Ça va être ça, 91. À la grange. Aussi à la grange, chopé, merci. Ah, pourquoi j'ai pas de grange, moi? Négociant en béton.
Putain, c'est quoi ce bordel? J'ai perdu la grange. Grange, putain, je suis con. Ça aurait bien, mais parce que ça clignote tout en fait. Quelle est la route la plus courte en camion? Je sors, de toute façon, je peux pas prendre à droite, c'est un chemin. Prendre la grande route. Hop, hop. Droite, 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 droite. Comme en vrai. Ça a l'air de tenir. Excellent le son. Il est sympa son camion tuning. Il y a le bruit du turbo et tout. Ça y va. Cette putain de caméra ne bougeait pas toutes les 30 secondes, ça ira encore mieux. Trop fort. J'aime le bruit du turbo. On se croirait dans Euro Truck. Putain, par contre, la direction. Faut vraiment que je règle ma manette parce qu'elle est vraiment trop souple. Putain, là, je me fais chier à conduire juste avec une manette. J'aurais repassé au clavier juste pour ça. Bon, la décélération, par contre, elle est pas top. Il fallait tourner et ça doit être derrière. Ouais, ça va être là-haut. Il y a beaucoup d'arbres. Putain, c'est où? Je suis perdu. Le GPS dit n'importe quoi. Bah non, l'entrée, elle est... L'entrée, elle est derrière. Ok, d'accord. Tu vas me faire passer avec mon beau camion dans ce chemin de terre. De merde. Putain, t'as rien frappé toi. Non mais sérieux. Y'a pas d'entrée là. T'es sérieux? Tu peux passer dans ce truc de merde. Putain. C'est abusé. J'aime plein de syndicats des routiers. Oh là là, je raille toute la peinture. Oh là 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 là. Même pas que je rentre. Bah ouais, forcément, t'as vu le virage comme il est sec. Un jojo, toi. Et de l'autre côté, c'est quoi? Ah, ça va y aller. Hein. C'est trop chaud leur truc, ça t'arrête. Ah, vraiment vu l'intérieur. Oh là là. Attends, c'est quoi en niveau de difficulté pour ETS à fond.
Je sais pas si ça va me les vendre là-bas. Alors, si je connaissais la bagnole qui s'égare en plein milieu. Hein. Je parle, ça m'énerve même pas. Décharger les balles. Ah, ça fait de la caillasse. Défonce sa bagnole là. Putain, je peux même pas. Bon, il y a une voiture à bouger là, qui est mal garée. Bon bah on sait ce qu'il reste à faire. Hein. Libir, reviens. Putain, ils sont passés où mes bottes de paille? Sérieux? J'avais deux bottes au bout de la fourche et ils sont plus. Trop fort. Pour la route que les roues avant, parce que sinon ça va être assez chiant. On va éviter d'enfourcher un mec quand même. On va se prendre un procès. On va refermer la porte aussi peut-être. Allez, on va se décharger vite fait ça, et puis terminus pour aujourd'hui. Je pensais que je pourrais décharger. Bah, il y a cette bagnole qui est pas garée. Ah bah si, il les a mes deux bottes de paille, pourquoi ça paraît pas? Oh là là. L'autoload, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais je crois que la 3D de la botte de paille, elle est restée sur la remorque là-bas. C'est pas une bonne idée de prendre les deux trucs autoload. Ça va m'avoir fait un conflit. C'était où que j'avais tourné? C'était après. Oh putain, la maison. Ah, je suis allé faire le tour tout à l'heure, on va pour rien en fait. J'arrive, j'arrive. Oh putain, oh putain, oh putain, je m'envole. Par là et nous voici l'ami you. Alors tout de suite on va faire ça. Voilà, c'est bon, là il nous a déchargé. Marchand de crabe, non, toutes les roues. Voilà. Eh, en haut la peur. Hop là. Notre arrière. Et Marcel. C'est bon, t'as bien détaché les trucs pour moi. Oh putain.
Ah, Marcel, il a rien détaché du tout. Putain, ça va être tout à revoir aussi ici parce que c'est vraiment un rick-track. Putain, il y a des bots, c'est même pas les mêmes trucs. Ça de gauche, c'est bon, merci. Je peux virer ça de droite aussi, merci. Putain, c'est vraiment pas large là. Hein. Oh là là. Avec la Toyota Prius là. Hop. Putain, quel con. Je regardais ma touche sur le clavier, j'ai tout poussé comme un con. Faire niquer, toucher. Ah non, je suis passé à côté. Non, elle était là. Je savais bien qu'il y en avait deux. Tu fous sur ta bagnole, t'as qu'à pas de virage, toi. Ça fait quoi de l'autre côté? Ça peut bouger par terre. Putain, la dernière, il veut pas me la décharger. Tu me crois ça? Allez, go. Nickel. Voilà. C'est bon. Vite fait, bien fait, une affaire qui roule bien. Oh, je vais pas montrer les phares. Bon, je suis un peu déchaîné sur les phares. Il y en a de partout. Bon, deux phares arrière d'éclairage arrière. Pour les feux standards. À l'avant, vous avez les feux standards de route, ceux-là, là, de chaque côté, clignotant et tout. Feux arrière d'éclairage. Et après, vous avez les feux sur le bras et les feux sur le toit. Feux de travail. À savoir que. Hop là.
Les feux sur le bras sont dynamiques. C'est pas ça ce que je veux faire. Ils suivent le bras. Je sais pas si on voit bien sur le côté, mais. Voilà, là on verra mieux. Vous voyez, ça éclaire le mur. Quand je monte, ça éclaire en haut. Comme ça, vous verrez bien, vous allez décharger. Voilà. Juste, il faudrait éviter de bousiller le mur. Hop. Bon, allez. Encore quelques petits trucs à corriger que j'ai vu. Et puis, je vous dis, ben, j'espère fin de semaine pouvoir vous le mettre en DL sur mon site. www.fs19modtp.com. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vais essayer de vous en faire d'autres très rapidement. Allez, à bientôt. Bye bye à tous.